Première main d'un point pour Vanessa Dono et Damien Huro. Dans cette partie du Sparto, on peut vous applaudir s'il vous plaît. Et deux points supplémentaires pour Isabelle Teixeira et Philippe Quintet qui mènent 20-10. On peut les applaudir à nouveau. Victoire de Florent Schott et Philippe Suchot. J'ai bien noté que l'Office du tourisme Auvergne-Volta-Sancy était présent pour cette manifestation exceptionnelle. Voilà. Très bien. Un petit mot ? Non. Très bien. Welcome. On a un problème, le monsieur n'arrive pas à prendre la photo, pour qu'il vienne. Quand j'en le fais, je peux pas les voir là-bas, les gens. Viens voir nos préférés. Ah ouais, j'ai deux chouchous. Dylan Rocher, il est où ? Bah vous connaissez le grand. Il joue avec vous. Prends l'heure là. Ouais, con là. Ouais, j'ai le con, mais il est mauvais. J'ai mal foutu ce garçon. Je pense que ses parents l'ont mal fait. Il a un problème. Elle est pas plus long que les jambes. C'est pas grave. C'est celle qui arrive à se gratter les sous de pied sans péter. Il faut surtout pas de l'enregistrer. Vous êtes venu pour voir les champions du monde jusqu'à la Tour d'Auvergne et vous êtes d'où et quel club ? On est de la Boule Le Fée, Nogent-le-Fay, à côté de Chartres. C'est extraordinaire, non ? Tu dis un mot, moi ? Oui, vas-y. On s'en bat les couilles. Bah c'est... On va en parler à Bertrand. Bah, du coup, je vais rajouter un mot, je suis pas prêt à aller mettre 10 balles à Hanche. Je vais plus à Hanche, moi, ça. Je m'en fous de Hanche. Ouais. Ah,
Il a tiré en fait. Si tu enlèves, je peux essayer un peu. Oh là là. Bravo. Bon, Guy pose son hélicoptère là, qui reprend son outil. Toute de votre présence, si vous voulez profiter des derniers instants avec les champions et les championnes pour des photos, des autographes, n'hésitez pas. Tu connaissais les pompes ? Je connaissais deux. Ah. Non. Pas plus que ça. Pas plus, plus en direct, Isa qui mange la ouais, pompe. Pardon, excusez-moi, mais là j'ai pas pu attendre. Bravo. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Ce petit goût de Monsieur le maire de Besse, oui. C'est le meilleur maire de France pétanqueur. Oui, et ça fait pas un gros niveau quand même. Bah, Lionel, c'est exceptionnel d'avoir ce rendez-vous des champions du monde féminines et masculins. Ici, c'est une première dans le Puy-de-Dôme. Et dans un village comme la Tour d'Auvergne. C'est exceptionnel, effectivement. Je crois qu'ils ont fait un gros boulot parce que c'est original que de les faire venir à une période qui est entre saisons, on va dire, hein, où il n'y a pas encore beaucoup de monde, d'arriver à mobiliser autour de cet événement et surtout d'arriver à avoir une telle palette de champions et de championnes. Et tout ça dans un bel esprit parce que concrètement, par rapport à des manifestations où il y a des concours, où il y a une vocation derrière, un objectif de faire venir beaucoup, beaucoup de monde, là, c'est purement la pétanque. C'est purement l'état d'esprit. Donc, c'est aussi à souligner. Il n'y a pas de démarche commerciale, c'est plus une démarche d'amoureux de la pétanque. Donc, Franck Savinia et son équipe, là, ils ont fait fort, je trouve. Si Besse aussi organise de sacrés événements aussi à ce niveau-là, au niveau de la pétanque. Et le prochain, c'est quand ? C'est le 16 août, mardi 16 août. Et la veille, on fait comme l'an dernier une animation avec la Coupe du Sancy. Il y aura une animation avec RHZ. Voilà, animation où là aussi, il y aura deux champions qui feront une animation pour celles et ceux qui veulent progresser à la pétanque, plus la Coupe du Sancy. Ça, c'est le 15 août. Et le 16 août, un grand concours triplette. Donc tout ça, c'est cousin germain. Quoi. Christophe, Skinium au Mont d'Or. Mont d'Or officiel au but. Donc toutes les boules. T-shirt, accessoires, tout, la totale, vous avez tout, sur commande ou pas, parce qu'on a un stock disponible toute l'année. Donc, bienvenue à tous les pays. Et même pour les tout petits. C'est marrant, ouais, les oui, tout petits qui peuvent commencer avec les boules en bois, c'est ce que moi je suis marraine avec Christian Carambeu. Excusez-moi du peu. Donc, Christian Carambeu, c'est l'ambassadeur mondial. Moi, je suis l'ambassadrice aussi du Gabaki. Donc, le Gabaki, c'est un jeu. Donc, on a une cible. Ce sont des boules en tissu mais très molle. Donc, adaptées aux enfants ou tout petits. Dès l'âge de 4 ans, on peut jouer au Gabaki, qui a aussi des vertus éducatives. Puis, c'est une cible. Il faut approcher une cible. Mais qui peut se pratiquer en intérieur et en extérieur aussi. Massif central du savon au lait de neufchèvre. Donc ça a les mêmes vertus que le lait d'ânesse. C'est très bon pour tout ce qui est problème de peau, ça hydrate beaucoup. Voilà. Le Saint-Nectaire fermier hein, de la vallée du Borandou. Il est affiné aux terres d'Auvergne à Besse. Oui. S'il revient, c'est qu'il est bon. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle Plural, qui a trois entités. Une agence immobilière, effectivement, la gestion de patrimoine et le courtage. Voilà. C'est et pour vous... cela qu'on appelle ça l'offre à 360. De la tour, du coup, c'est Brice. Oui, ça. Brice, c'est vraiment le local qui c'est est... l'enfant du pays, comme on dit. Hein. Voilà, l'enfant du pays. Voilà. Invité par du coup Franck Savinia. Et du coup on a répondu à l'invitation du coup volontairement et avec plaisir. Voilà, super, merci beaucoup. Merci. Ils ont tous signé là. Presque. Wow, super. Donc tu vas essayer de les avoir tous. Oui.